moi, je vais prendre le relais du docteur Benistan pour vous parler un petit peu plus spécifiquement des difficultés du diagnostic et de la prise en charge des syndromes d'Ehlers dans l'os chez l'enfant. Alors, la première partie de la présentation, je vais passer un peu, puisque j'avais repris un petit peu chaque type, mais je vais me répéter sur certains points. Et puis après, je vais vous parler d'histoire clinique, en fait, un petit peu en détail, pour se concentrer essentiellement sur les diagnostics et les diagnostics différentiels des syndromes d'Ehlers dans l'hypermobile, classique et vasculaire, qui sont finalement les plus fréquents qu'on voit en consultation et qui sont... c'est vrai que les autres types d'Ehlers dans l'os, comme vous l'avez vu, sont plus spécifiques, donc pour le diagnostic, posent souvent moins de problèmes, finalement. Donc voilà, je vais passer vite sur, effectivement, j'avais repris les... Et c'est vrai que chez l'enfant, vous avez la particularité que les anomalies cutanées, notamment les cicatrices, sont parfois moins apparentes. Et puis sur l'aspect, sur la qualification de l'aspect de la peau, je parle sous le contrôle d'un dermatologue, ça peut être parfois plus difficile de voir la spécificité chez un enfant, la peau douce, veloutée par exemple, que chez un adulte. Alors je vais m'appeler un peu sur le SED vasculaire, puisque en fait le SED, quand il y a une histoire familiale, quand il y a un antécédent familial chez des apparentés, chez un des parents qui a eu déjà une rupture artérielle ou une perforation, le diagnostic va pouvoir être fait aisément. En revanche, il existe certaines formes qui sont ce qu'on appelle des néomutations, avec un premier cas qui apparaît chez un enfant, et c'est là où le diagnostic est extrêmement difficile. C'est-à-dire que quand on reprend les données de la littérature, l'immense majorité des diagnostics posés chez un enfant qui est le premier cas, ça va être lors d'une complication déjà, précoce de la maladie. Donc là, l'objet, c'est de vous présenter un petit peu les qu'on peut avoir avant la survenue d'un événement qui pourrait nous orienter. Donc déjà, sur la morphologie de l'enfant, on sait que à la naissance, il peut y avoir donc des luxations déjà de hanches, des pieds beaux. Il y a cet aspect en fait des yeux, de grands yeux, et des enfants qui paraissent souvent plus âgés que leur âge réel. Donc après, nous, c'est vrai que le généticien, on a des descriptions qui sont un petit peu détaillées de la morphologie des patients, mais que je ne vais pas vous présenter ici. Mais en fait, c'est pour ça qu'un examen attentif de l'enfant, souvent par plusieurs médecins, peut être utile pour essayer de penser à ce diagnostic. Et dans ces formes, en fait, retenir que c'est le diagnostic moléculaire en fait qui va pouvoir nous apporter la preuve du diagnostic. Le souci qu'on a actuellement, c'est qu'on n'a pas forcément accès facilement à des examens rapides moléculaires. Philippe Kovenken en parlera un petit peu après. Mais ça paraît essentiel puisque, comme vous le savez, cette forme d'Ehlers dans l'os peut bénéficier d'un traitement préventif. Alors là, j'ai pas... L'âge de mise en place du traitement n'est pas forcément si jeune que ça, mais ça peut donner lieu à une surveillance vraiment adaptée et un traitement préventif avant la survenue d'un premier épisode vasculaire. Donc je vous présente ici quelques patients et puis on en reparlera par la suite dans les cas cliniques. Vous voyez, se ressemble un petit peu. Ils ont une hyperlaxité cutanée qui n'est pas toujours très marquée. Ils n'ont pas forcément déjà des cicatrices hypertrophiques, mais ça peut déjà être le cas. Ils ont souvent donc ces yeux qui paraissent... ce qui est probablement dû au fait qu'ils ont assez peu de graisse autour des yeux. Puis souvent un grand front, des cheveux qui ne sont pas très fournis au niveau des tempes. Hop. Donc pour le SED hypermobile, donc c'est pareil, chez l'enfant, l'antécédent familial, le diagnostic va être souvent évoqué. Moi-même, parfois, il est nécessaire, l'obsession du diagnostic spécifique. Désolée.
Alors maintenant, ça le rend violet. Non, c'est bon. Et donc, la grande difficulté qu'on a avec l'essai d'hypermobile, c'est que c'est, donc on n'a pas de base moléculaire connue, donc on n'a pas de diagnostic avec une prise de sang qui va pouvoir facilement nous confirmer le diagnostic et nous écarter d'autres diagnostics. C'est vrai que la classification a un petit peu clarifié les critères diagnostiques, mais comme on le verra, on a quand même pas mal de ces critères qui peuvent être retrouvés dans d'autres pathologies du tissu conjonctif, notamment le syndrome de Marfan. Dans toute la partie critère 2, en fait, il y a beaucoup de points communs avec le syndrome de Marfan. Donc c'est vrai que pour nous, il y a un risque d'erreur diagnostique qui est très important. Et une des, voilà, quand on reçoit un enfant avec cette orientation diagnostique, notre premier réflexe, ça va être vraiment, après l'avoir examiné et répertorier l'ensemble des antécédents familiaux, chercher si on n'a pas d'orientation vers une autre pathologie génétique. Finalement, ça va être presque un diagnostic d'élimination pour nous. Donc je vais passer vite sur les autres types de SET que Karel vous a très bien présenté. Et je vais aller directement, en fait, du coup, à des cas cliniques, quelques histoires cliniques de patients qui nous ont été adressés pour syndrome d'Ehlers dans l'os. Alors, le premier patient qu'on a vu, en fait, finalement, pour une suspicion de maltraitance, puisque depuis l'âge de 9 mois, à la crèche, il avait été remarqué des ecchymoses au niveau des jambes et des bras. Mais il se trouve que les ecchymoses sont localisées vraiment aux emplacements où l'enfant marchait à quatre pattes. C'est d'ailleurs pas de... au niveau des gencives, il a saigné une fois, il a eu une fois une épistaxis. Et il a été opéré, quand on l'a vu en consultation, il venait d'être opéré pour un testicule qui n'était pas bien descendu, et les cicatrices à cet endroit-là étaient tout à fait normales. Donc le médecin traitant, qui connaissait bien la famille, puisque le petit garçon avait aussi une grande sœur qui allait parfaitement bien, a permis qu'il n'y ait déjà pas un signalement d'emblée pour cet enfant, et puis il a fait réaliser un premier bilan de coagulation, il l'a envoyé en hématopédiatrie, et puis le bilan de coagulation étant normal, on l'a reçu en génétique, conjointement avec le professeur Bessis, donc en dermato. J'ai pas mis la photo de cet enfant parce que les parents m'ont pas donné l'autorisation, donc j'ai remis une photo de la littérature, mais c'est vrai qu'il ressemble beaucoup à ce petit garçon dont la photo était présentée dans un article. Donc les petits points morphologiques, il avait des traits vraiment fins, un nez fin, une lèvre supérieure fine, des yeux qui étaient un petit peu cernés. Il y a au niveau de l'oreille un petit point particulier, mais qui était absolument pas spécifique. Les doigts étaient normaux, il avait une peau un petit peu fine, sans franche hyperélasticité cutanée. Il avait des doigts qui étaient laxes et un petit genu recurvatum, mais c'est vrai que chez des petits enfants, on est à la limite du physiologique. Des pieds qui étaient un tout petit peu plats, mais qui ne demandaient pas de prise en charge particulière, pas de semelle ou quoi que ce soit. Et un aspect du thorax normal et du rachis normal. Et en fait, sur les ecchymoses qui étaient quand même très abondantes, et sur l'aspect morphologique, on a quand même demandé l'analyse du gène COL3A1 qui a retrouvé une mutation qui est survenue chez cet enfant et qui était absente chez ses parents. Et donc, moi, j'ai repris ce qui est écrit effectivement dans la classification de 2017. Même pour des médecins très expérimentés, le diagnostic de syndrome d'Ehlers dans l'os vasculaire en l'absence de complications est vraiment très difficile. Et c'est vrai qu'il peut y avoir énormément de points communs avec des SED non vasculaires où il n'y a pas ce même risque. Donc, il ne faut pas hésiter à demander l'analyse moléculaire de ce gène. Alors, c'est vrai que maintenant, on a théoriquement accès à des panels de gènes qui vont pouvoir nous permettre de faire l'analyse de manière un petit peu plus large, indifférenciée, quand on n'a pas une franche orientation diagnostique. Mais auparavant, en fait, on pouvait faire l'analyse uniquement de ce gène-là. Et c'est vrai qu'on l'a demandé assez fréquemment pour ça. Alors, le patient suivant, il était adressé parce qu'il, pour une suspicion de syndrome d'Ehlers dans l'os hypermobile, parce qu'il avait eu trois entorses de cheville, deux d'un côté, une de l'autre, l'année passée, et que le médecin traitant avait remarqué une hyperlaxité. Donc, quand on l'a examiné, donc c'était un grand jeune homme qui mesurait déjà 1m85 avec une envergure à 1m90, plus grande donc que sa taille, des pieds plats,
une scoliose, un sinus poignet positif, un score de Beighton qui était à 6, donc au-delà de ce qui est requis, une scoliose et des vergetures. Et comme vous voyez sur les photos, donc une hyperlaxité qui était généralisée. Alors, on a posé des questions aux deux parents de Jean. Chez son papa, il n'y avait rien de particulier. Chez sa maman, qui n'était pas grande du tout, qui mesurait 1,60 m, et qui avait une envergure à peu près égale à sa taille, il y avait quelques petits signes quand même de pathologie du tissu conjonctif, c'est-à-dire qu'elle avait des pieds plats, une scoliose, un pectus carinatum, du poignet positif mais du pouce négatif, une hyperlaxité avec un Beighton qui était coté à 4, un hallux valgus, une scoliose qui a été opérée, un palais creux, et puis au niveau cardiaque, elle avait été opérée d'un prolapsus valvulaire mitral avec plusieurs interventions dans les 10 années qui avaient précédé. Et donc chez cet enfant, en fait, on a identifié une mutation du gène fibrine 1 qui a permis d'établir le diagnostic de Marfan et qui est héritée de la maman qui a quelques particularités puisqu'elle est petite, qu'elle n'a pas la cardiopathie la plus classique dans le syndrome. Donc le diagnostic, bien qu'elle ait été suivie par des cardiologues, n'avait jamais été évoqué chez cette maman. Et là encore, c'est une mutation qui ne concerne pas d'autres membres de la famille. Et quand on l'a vu, on n'a pas attendu le résultat de l'analyse, évidemment, on a demandé l'écho-cœur, et il y avait déjà une dilatation aortique chez Jean. Et donc, pour le syndrome de Marfan, là encore, il y a un traitement qui est bien codifié, qui permet de ralentir l'évolution de la dilatation aortique et un suivi cardiaque rapproché qui était indiqué. Alors maintenant, je vais vous parler d'un patient que j'ai vu il y a vraiment pas longtemps, lui aussi qui a été adressé pour suspicion de syndrome d'Ehlers dans l'os hypermobile, puisqu'il avait plusieurs critères. Il avait une hypotonie dans la petite enfance, il avait marché tard, à 22 mois. Il avait des pieds plats, un signe du pouce et du poignet qui était positif. Il avait une envergure qui était égale à la taille. Il avait des ecchymoses faciles, mais ses parents nous disaient qu'il était quand même très maladroit, puisqu'il avait des petits problèmes scolaires et un diagnostic de multidis avait été posé chez lui. Un palais creux, une scoliose et une franche hyperlaxité avec un Beighton qui était à 7 sur 9. Donc il pouvait effectivement faire évoquer un diagnostic de syndrome d'Ehlers dans l'os hypermobile, mais c'est vrai que sur sa morphologie, on a été attiré par le fait qu'il avait, une répartition des graisses qui était un petit peu atypique, c'est-à-dire vraiment localisée, comme vous le voyez, au niveau du ventre, avec des jambes qui étaient toutes minces, alors qu'il avait un poids plutôt inférieur à sa taille. Et du coup, l'examen qu'on a demandé chez cet enfant en premier, c'est un karyotype qui a révélé supplémentaire. Donc, chromosome. Donc ça réclame, évidemment, il va avoir une prise en charge de l'hyperlaxité et des problèmes articulaires qu'il peut avoir, mais il va avoir également une prise en charge spécifique de problèmes neurologiques et endocriniens qui sont en rapport avec son anomalie chromosomique, et, notamment les problèmes endocriniens qui demandent une prise en charge dès le début de la puberté. Donc on l'a vu, il avait à peu près 10 ans. Donc là, c'est vraiment important de faire ce diagnostic. Il faut noter que cet enfant, il avait déjà été vu par plusieurs médecins, par également un neuropédiatre, et comme il n'avait pas de gros soucis jusqu'à présent, c'est vrai qu'il n'avait pas eu d'examen jusque-là, et le diagnostic de syndrome d'Ehlers dans l'os hypermobile, dans la mesure où il n'y a pas d'examen de confirmation génétique qui peut être fait, c'était celui qui était évoqué jusqu'à présent. Alors, je continue avec Jeanne, une petite fille, j'ai pas de qui elle aussi nous a été adressée pour suspicion de SED hypermobile. Alors on se rend compte que c'est vrai que c'est un motif de consultation qui est quand même très fréquent et de plus en plus fréquent chez l'enfant, alors qu'avant, effectivement, on voyait surtout des jeunes femmes adultes. Donc elle, la suspicion est motivée par une histoire d'entorse à 9 ans qui a nécessité un plâtre, une course qui est difficile, des difficultés d'écriture, des douleurs abdominales récurrentes. Elle aussi, elle a des difficultés scolaires avec un diagnostic de multidis. Et puis, la maman nous explique qu'elle a une cousine de son côté qui est atteinte de SED hypermobile dans sa forme raide et qui est traitée, elle utilise vraiment ces termes, hein, et qui est traitée par oxygénothérapie depuis plusieurs années. Et donc, en fait, elle vient en consultation pour qu'on pose le diagnostic chez Jeanne et qu'on lui prescrive le même traitement puisque
sa cousine, ça aurait, enfin, sa cousine serait contente de ce traitement. On apprend également pendant la consultation qu'il y a un absentéisme scolaire très important du fait des douleurs et qu'actuellement, il y a un contexte de séparation parentale qui ne se passe pas très très bien. À l'examen, en fait, on se rend compte que cette petite fille n'a pas de réflexes. On n'arrive pas à retrouver les réflexes rotuliens. Elle a des pieds un petit peu creux. Elle n'a pas une frange hyperlaxité. Et puis, en fait, on examine systématiquement les deux parents et on retrouve que la maman, elle, n'a pas non plus de réflexes. Elle a des pieds creux. Elle a un Bighton à 3, donc elle n'est pas hyperlaxe. Elle a une diminution de la force des mains. Donc en fait, le diagnostic chez cette petite fille, c'est celui d'un Charcot Marie-Tooth, donc c'est une maladie neurologique. Quand on connaît le gène, on a un résultat qui est assez rapide. On propose cet examen-là d'emblée chez la petite fille. Et au moment où on rend le résultat, finalement, la maman, on apprend par un autre biais, on apprend que le diagnostic avait déjà été, par le labo, que le diagnostic avait déjà été établi chez la maman, mais qu'elle a un déni. Texte plus complexe psychologique dans le couple. Alors un dernier cas de suspicion de syndrome d'Ehlers dans l'os hypermobile. Là c'est un jeune garçon qui a une dizaine d'années qui nous est adressé. Il n'y a pas d'antécédent familial notable. Il y a eu en fait plusieurs entorses de cheville, mais on n'a pas de compte rendu qui nous parle de ces entorses, une limitation de la mobilité articulaire. Un faux mouvement a priori, et puis des douleurs inexpliquées des quatre extrémités, des douleurs abdominales, avec là aussi souvent un absentéisme scolaire important, et puis il a consulté pas mal de médecins, un orthopédiste, puis un spécialiste a priori des SED hypermobiles, mais qui n'a pas accepté de réaliser un dossier MDPH qui est nécessaire à l'aménagement scolaire. Donc en fait, c'est pour ça que la famille prend rendez-vous au niveau du centre de compétences. Et à l'examen, en fait, c'est un jeune garçon qui a une croissance qui est un petit peu limite. Ses deux parents sont grands et lui, il est dans le bas des courbes. Il a un score de Bighton à 6, donc une hyperlaxité. Et puis, en fait, il a des petites anomalies au niveau des mains. Alors c'est difficile à voir au premier abord, mais quand on consulte avec un dermatologue, ça devient plus simple. Il a, vous voyez, des petits points rouges au niveau des paumes, des pulpes et également des talons qui correspondent à des angiokératomes. Et en fait, ce petit garçon, il a un diagnostic de maladie de Fabry qui va être rapidement confirmé par un dosage enzymatique et une analyse génétique. Et il se trouve que c'est une maladie métabolique et évolutive et avec une atteinte rénale, cardiovasculaire, neurologique pour laquelle il y a un traitement spécifique qui est disponible, des injections en fait de l'enzyme manquante qui va permettre de ralentir l'évolution. Et donc ça c'est la première chose, c'est qu'il y a un traitement qui va pouvoir être mis en place chez ce jeune garçon spécifique. Et puis en plus c'est une maladie qui est dominante liée à l'X, ça veut dire qu'elle touche les femmes, elle est transmise par les femmes, mais qui peuvent présenter des symptômes similaires à ceux des garçons avec une expressivité variable. Et donc vous voyez, on peut reconstituer un arbre généalogique et finalement il y a énormément de monde dans la famille qui va être concerné, sachant que certaines femmes vont être asymptomatiques mais peuvent transmettre la maladie et avoir des garçons atteints, d'autres femmes peuvent présenter des symptômes spécifiques, par exemple uniquement au niveau du cœur ou au niveau du rein. Donc il y a des conséquences pour toute la famille qui sont extrêmement importantes. Et donc j'ai repris, il y a un article qui est paru en fait qui a repris plusieurs cas de jeunes patients, jeunes ou moins jeunes patients, chez qui il y avait un diagnostic de syndrome d'Ehlers-Danlos hypermobile qui avait été fait alors qu'ils ont d'authentiques maladies de Fabry. Parce qu'en fait il y a une hyperlaxité, il y a des signes qui se recoupent avec des douleurs importantes, notamment. Et donc c'est vrai qu'il faut penser à examiner les patients, notamment au niveau cutané, pour ne pas passer à côté de ce diagnostic. Alors enfin, je vais vous présenter Anne, qui, la première fois on l'a vue, elle avait 8 ans, qui est adressée pour une suspicion de syndrome de Marfan, parce qu'elle est grande et hyperlaxe. Donc elle grandit au-dessus de la courbe, à plus de 2,5, mais elle a des parents très grands. Son papa fait 1m93, sa maman 1m78. Et sa maman a un score de Bighton à 6, elle a déjà eu plusieurs luxations d'épaule, elle a eu une arthrodèse de la cheville droite devant des épisodes de luxation répétés.
et elle a une envergure qui est à peu près égale à sa taille. Et puis on voit, pendant la consultation, souvent les gens viennent avec tous leurs enfants, examiner son frère, qui lui aussi est grand, mais qui n'est pas du tout hyperlaxe, il a un score de Beighton à 3, il n'a pas d'antécédent particulier. Anne, elle a eu une luxation de hanche congénitale qui a nécessité un traitement orthopédique, un épisode de luxation de la rotule. Elle a quelques difficultés d'écriture qui sont en rapport en fait avec son hyperlaxité, mais elle n'a pas d'autres difficultés. Et à l'examen, elle a des pieds plats, elle a une envergure qui est égale à peu près à sa taille, elle a les signes du pouce et du poignet qui sont négatifs, un palais creux, une peau douce un petit peu hyperextensible et un score de Beighton qui est élevé à 7 sur 9. Ce qu'on propose, c'est un examen ophtalmologique pour Anne et ses deux parents qui ne retrouvent pas d'anomalie. Dans le syndrome de Marfan, on a habituellement, c'est pas constant, mais on peut avoir une luxation du cristallin, une myopie importante. Et puis on propose systématiquement un examen cardiaque chez Anne et ses deux parents encore. Et on retrouve une racine de l'aorte qui est dans les normes hautes et un examen cardiologique qui est strictement normal chez ses deux parents. Et elle a quand même, devant le diagnostic évoqué de syndrome de Marfan, une analyse moléculaire du gène fibrine 1, puisqu'elle remplit certains des critères du syndrome de Marfan, et un diagnostic différentiel qui s'appelle hyperhomocystéinurie, pour lequel il y a un dosage de l'homocystéinémie qui revient normal. Donc ces deux diagnostics semblent écartés. Donc on décide de la suivre. On retient qu'il y a quand même une pathologie du tissu conjonctif. Et en début d'adolescence, en fait, elle se fait de plus en plus d'entorses. L'examen cardio qu'on reproduit 3 ans après ne retrouve pas d'anomalie. Et finalement, on retient le diagnostic de syndrome d'Ehlers dans l'os hypermobile chez Anne et sa maman. Après avoir écarté en fait, le diagnostic de syndrome d'Ehlers. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu de la prise en charge, même si je sais que le sujet sera aussi abordé par la suite. Donc, ce qu'il y a de spécifique chez l'enfant, c'est que c'est vrai que le CED hypermobile, c'est un diagnostic très difficile à établir chez l'enfant en l'absence de base moléculaire et du fait de symptômes qui sont non spécifiques et d'un tableau qui est souvent encore incomplet quand les enfants sont jeunes. Donc, notre obsession à nous, c'est d'éliminer un diagnostic différentiel pour lequel il pourrait y avoir soit un pronostic vital en jeu rapidement, soit un traitement, et souvent ça va ensemble, un traitement spécifique médicamenteux rapidement indiqué pour en ralentir l'évolution. Pendant qu'on élimine ce diagnostic différentiel, je vous en parlerai après, bien sûr, on prend en charge les symptômes qui sont déjà présents. Pour le CED vasculaire, c'est un diagnostic extrêmement difficile à évoquer chez le tout petit enfant quand il n'y a pas d'antécédent familial, et donc le diagnostic moléculaire est très utile, même si l'ensemble des critères diagnostiques n'est pas réuni, parce qu'il est habituellement pas réuni avant un certain âge, avant qu'il y ait le premier événement finalement, parce que le traitement préventif est efficace et qu'on peut le mettre en place dès l'enfance. Alors, dans l'attente d'une confirmation, d'une orientation diagnostique pour un CED hypermobile notamment, on met en place des mesures non spécifiques avec une prise en charge globale du patient. J'ai récapitulé un petit peu par la suite les points les plus importants. Donc, prendre en charge les douleurs, prendre en charge l'hypermobilité articulaire, ça va ensemble mais pas systématiquement, pallier le handicap et préserver la vie sociale, et transmettre pendant l'enfance et l'adolescence au patient et à sa famille les connaissances qui vont être nécessaires à sa prise en charge pour qu'il soit autonome à l'âge adulte. Et puis dans l'intervalle, il y a quand même beaucoup de malades qui arrivent avec des traitements qui sont non validés et potentiellement dangereux ou coûteux, pour lesquels on les met en garde parce que c'est vrai qu'on est, inquiet sur leur nocivité possible et on n'a aucune preuve de leur efficacité. Donc l'oxygénothérapie, des régimes sans gluten, sans lactose... Ou crudité pure, ou des vitamines à très haute dose, ou j'ai vu aussi du magnésium à haute dose, et on n'est pas du tout sûr que tous ces traitements soient inoffensifs pour le rein, pour le cœur, etc. Alors, il y a une étude qui a repris les facteurs qui affectent la qualité de vie chez les enfants et les adolescents qui ont un syndrome d'Ehlers dans l'os hypermobile, et en fait, ce qui apparaît comme le plus marquant qui va prédire la qualité de vie, c'est la fatigue et la fatigabilité, et les douleurs. Donc c'est vrai que c'est sur ces points importants qu'on peut essayer qu'on va concentrer une partie de la prise en charge. Et donc l'étude a repris les différentes interventions qui ont été proposées à ces enfants, qui montrent et une appréciation de leur efficacité. Donc déjà,
Il n'y a pas une intervention qui serait valable pour qui montrerait son efficacité chez tous les patients, mais on remarque qu'il y a quand même la kinésithérapie qui est importante, le soutien psychologique s'il y a une demande, s'il y a un besoin de la part de l'enfant, l'aménagement scolaire, voilà. Donc pour les douleurs, c'est vrai que nous on propose systématiquement, si les enfants sont douloureux, une consultation d'algologie. Et les praticiens vont à ce moment-là proposer plusieurs approches qui sont complémentaires et non mutuellement exclusives. Donc des approches de relaxation, d'autofeedback, d'hypnose et l'utilisation de divers antalgiques de palier 1, 2, 3 avec une à la clé surtout une réévaluation très régulière pour ces patients, puisqu'on sait que la consommation d'antalgiques, c'est pareil, est souvent élevée chez ces patients. Donc le but, c'est d'essayer d'obtenir le traitement mal efficace pour pas avoir de douleurs invalidantes. L'instabilité articulaire et les luxations, on préconise de maintenir le plus possible une activité physique douce, donc non contre-indiquée, surtout de ne pas sédentariser l'enfant, puisque en fait, si on a une diminution de la masse musculaire, ça peut aggraver finalement l'hyperlaxité, aggraver les symptômes, et on peut aboutir à un cercle vicieux. On préconise de la kinésithérapie en expliquant bien au kiné qu'il y a une contre-indication de certains mouvements, qu'il ne faut pas surtout entretenir entre guillemets l'hyperlaxité. On explique aux enfants qu'il faut éviter de mobiliser, de montrer à leur psychopathe les mouvements anormaux entre guillemets qu'ils peuvent faire. On prescrit fréquemment des semelles sur les douleurs et sur les pieds, des attelles, des contentions, et on explique bien assez tôt qu'il faut éviter des interventions orthopédiques qui peuvent paradoxalement aggraver le phénomène, c'est-à-dire par exemple au niveau des luxations de l'épaule. C'est vrai que le traitement habituel pour les luxations chez des patients qui n'ont pas de syndrome d'Ehlers dans l'os, ça va être la mise en place d'une butée. Et là, malheureusement, c'est vrai que ça peut aggraver les choses avec une luxation qui se fait malgré la butée et encore qui va aggraver l'hyperlaxité finalement, et qui ne va pas résoudre le problème. Donc on s'occupe d'effectuer l'ensemble des certificats qui vont être nécessaires pour des adaptations scolaires si c'est nécessaire. On va facilement adresser les enfants aux psychomotriciens, à l'ergothérapeute pour voir s'il y a des outils spéciaux. Par exemple, il y a des guides d'écriture qui peuvent être vraiment aidés. Et surtout, on essaye d'éviter absolument la déscolarisation. Et moi, c'est vrai qu'il y avait une petite patiente qu'on avait vue qui n'allait plus du tout à l'école, qui n'avait plus d'activité extrascolaire, qui n'avait plus de contact avec d'autres enfants, parce que sa maman avait très peur qu'elle ait à nouveau une luxation. Cette petite fille, finalement, elle a développé une dépression et une obésité. Et quand on a pu améliorer à nouveau, quand on a pu faire en sorte qu'elle aille à l'école, il y a une partie de ses symptômes qui ont pu s'améliorer aussi. Donc c'est vrai qu'il faut faire très attention à ça. Chez l'adulte, c'est vrai, mais chez l'enfant également. On fait systématiquement au diagnostic un bilan cardiaque et des gros vaisseaux. Donc il y a plusieurs études qui ont repris le risque vasculaire chez les patients qui ont un syndrome d'Ehlers dans l'os non vasculaire. Ce risque n'est pas complètement nul, mais c'est vrai qu'il varie énormément en fonction des syndromes d'Ehlers dans l'os. En tout cas, nous, on indique systématiquement un bilan initial. S'il est normal, on ne va pas forcément le reproduire. On ne va pas forcément le reproduire si le diagnostic de syndrome d'Ehlers dans l'os vasculaire est rapidement éliminé, par exemple. Mais si on est dans des limites, si on est dans les valeurs hautes de la normale et qu'on ne peut pas écarter un risque évolutif, c'est vrai qu'on peut préconiser de le refaire tous les 5 ans. Et puis en fonction du type, donc le docteur Benistan vous a présenté effectivement des formes très différentes et des enfants qui vont nous poser des soucis de suivi très différents, c'est-à-dire que ceux qui ont une scoliose très sévère, bien sûr, ils vont être suivis en orthopédie. Ils vont également voir le pneumologue puisqu'ils vont avoir une diminution de la capacité respiratoire. Il y a certaines formes où on peut avoir associé en fait une fragilité osseuse, donc c'est des formes qui peuvent être soit intermédiaires chevauchantes avec des ostéogenèses imparfaites, soit d'autres formes plus rares
où on sait qu'il y a cette fragilité osseuse. Donc on prescrit une ostéodensitométrie. Il y a éventuellement des traitements pour renforcer l'os qui peuvent être prescrits. On préconise le moins d'un. Enfin, on met en garde les gens sur les réinterventions chirurgicales et si nécessaire, on les adresse aux chirurgiens plasticiens. On fait également au diagnostic systématiquement une consultation d'ophtalmologie et d'ORL qui peut être renouvelée si on sait qu'il y a un risque évolutif. Et puis, dans plusieurs formes, on peut avoir aussi un problème dentaire. Donc, c'est pareil, on les adresse en consultation multidisciplinaire dentaire. Donc, ce qu'on retient, c'est que le diagnostic moléculaire, il permet d'orienter l'examen clinique et la prise en charge. Nous, notre rôle, c'est aussi d'informer l'ensemble des médecins qui vont prendre en charge le patient sur les spécificités et les risques inhérents à la pathologie. Parce que c'est vrai que beaucoup de ces pathologies sont très rares, donc si on ne précise pas à l'ophtalmo ou à l'ORL, au dentiste, ce qu'on cherche, l'examen va être moins performant. Et on s'occupe de coordonner la prise en charge et d'établir le lien avec l'école et réaliser les certificats nécessaires. Puis enfin, je vais vous dire deux mots sur la transition enfant-adulte. Donc idéalement, quand on suit les patients jusqu'à l'âge adulte, l'objectif c'est qu'ils deviennent autonomes à l'âge adulte et qu'ils puissent s'approprier leur prise en charge, c'est-à-dire progressivement passer de nous, l'organisation de tous leurs hôpitaux de jour avec les périodes régulières, au fait qu'eux-mêmes ils sachent qu'il faut qu'ils prennent rendez-vous chez le cardiologue tous les 5 ans, des choses comme ça. Et puis, on ne va pas hésiter à aborder régulièrement les explications sur la génétique, sur la physiopathologie de la maladie. Alors, on va faire ça progressivement, et puis en fonction des enfants, ça ne va pas être au même âge. Il faut savoir qu'effectivement, dans les faits, comme c'est le cas dans l'ensemble des maladies chroniques, il y a souvent une période où les adolescents ne vont pas tellement revenir nous voir. Entre 15 et 20 ans, ils vont... Même s'ils ont des risques évolutifs, il faut que les parents restent vigilants. Il y a une période où il va y avoir un évitement de l'hôpital pendant quelques années, et puis c'est souvent au jeune âge adulte, quand ils se posent eux-mêmes la question de la transmission à leurs enfants, qu'ils vont reprendre les prises en charge qui sont nécessaires. Voilà, je vous remercie de votre attention.